Mote bandeko, ya solo mo bena to ye li susu. Ya solo, to ye pona kotanga te kasilelo, to ye po ya solo mo kosolo na mbuta na biso ne ngoma obo sirai bongo kolanda. Mikolo eleki. Na yangona, ngayi wabino zikoti mayuma tembo ya mwanda. Mama na ngayi zwa misolo bongo na etuka ya bwende, tata na ngayi zwa misolo bongo na etuka ya kindamba, yangona ngana zali bwende kindamba. Yenge, yenge, yenga makesa munzi la Kongo, yenge na bambuta, na bayaya nyoso, oyo bazwami lelo solo bongo benane ngunduka na biso, ngayi wabino, nyomono wabe enozi, koti mayuma, ngudiame, vwilu mvila la bwende, sediame, vwilu mvila la kindamba, igina mono imwe, bwende kindamba. Yango ya solo bongo benane lelo, tozoka kako tata manana mbuta ngoma, yango nana, ya solo bongo benane, na elobina mbuta ngoma, mbuta, zwa maloba, esika yozali. Présentez-vous selon le Bukongo et Simana Yango Omila Kisi na Lingala Simana Yango to koti na mutuno na biso et pa yop to sukaki mbale elekaki matondo mbuta. Ok, ok, matondo, matondo, matondo mbuta. Bon soumena Fukieto, bon soumena Mpeza Bukongo. Mon nom kumba me mbuta ngoba Mpezo. Nguda me vilu, mulu vila la kimbenja, sa me vilu, mulu vila la kipudi, idina mono, imwe mbenja pudi. Bambuta, yeba yaya, yenge keno diaka. Yenge. Yeba tondo, yenge to zima loba, yeba ya ndeko na biso, mbuta sikoti, ngana za ndeko na bine mbuta ngoma, je fui na dernier grade nangai, na BDK BDM, je suis le directeur du bureau politique de BDM et j'étais le Tingifu de Vanja dans BDK et j'étais le membre du comité international qui s'occupait de la diaspora et présentement je suis le secrétaire général adjoint en charge des finances et administration de Njila Congo, en abrégé Njiko. Donc voilà en bref une petite présentation de Koki Kosala pour la émission de Bissou Alélo. Matondo. Matondo Mbuta, Mbaleleki, à Solomon Benato Tuna Kiyo Mutuna. Donc vous êtes l'un des cadres qui a travaillé avec Nemo Andansemi. Et nombreux disent que les cadres, vous n'avez rien fait pendant 30 ans. Et il y a Solomon Benato aussi avec Kote Sabiso. Na étape misatu et c'est quoi bio la qui bison tsikumusu et puis marketing pour na longi pour na bimsa longi na mokili mobimba et bon wap to sukaki na 2017-2021 et c'est quoi et pas wap bundu ya Congo et comme bon solo bon bena to sukaki na mutuna na biso mi bale to kota kite muta ngoma mutuna ngo ezali boye pourquoi vous avez quitté BDK selon les dires des autres que Bolongo et BDK. Malobombo Kayombuta. Matondo, Mbuta, Pona, ma Mutuna Oyo. Heureusement, vous avez bien dit, selon les dires des autres. Selon les dires des autres. Donc, je voudrais dire que BDK, chers frères et sœurs, c'est un patrimoine culturel commun à tous les Bénakongo. Les BDK Mbuta Congo, c'est un patrimoine culturel à tous les Bénakongo. Donc, BDK, il sent sur le Congo, il dinga ki Congo, il binga na ki Congo. Donc, je dirais BDK, c'est tout ce qui concerne les Bukongo. Donc, un Kessa qui a bien compris l'enseignement ne peut pas dire qu'il a quitté BDK. Parce qu'il est BDK lui-même. C'est dans le sang. Donc, nous sommes, je dirais, je suis et je demeure BDK. En bref, Kumbwame, Bunduria Kumba. Oh, Totonzom. Totonzom. Osuki on a mouta to, Osanaba, développement, monsieur Sorosala, to, kota, namoutou, nabiso, yamisatu. Nous allons poursuivre la troisième question. Je crois que c'est une question. Cette question, je crois que la réponse est claire. Heureusement, bien selon les autres. Mais en bref, j'ai dit que BDK, c'est un patrimoine culturel à tous les Bénakongo. Et moi, en tant que Kessa,
j'ai compris le Bukongo, je dirais que PDK, je suis et je demeure. Je dis ça avec force. Kumbwa mais Bundi de Congo. Donc je suis dans BDK et j'y resterai. C'est ça. Matondo Mbuta, BDK et les patrimoine culturel de Bakongo et Mbuta et les Bandombe, Babon Sonomunza, Yamvimba. Ils allaient bon Mbuta. Mais quant à nos convictions politiques, donc le matériel, et lorsque nous avons constaté que les BDM, qui étaient mouvement politique, une branche politique, le BDM était dévié de sa vraie mission, je dis bien le BDM était dévié de sa vraie mission, et le BDM était devenu Bundu de Manianga, et nous avons préféré d'être indépendants, de garder notre identité, de garder notre personnalité. C'est comme ça, sur le plan politique, nous avons formé notre parti que nous appelons Njila Congo. Donc Kimbangu, Kimbangu Muna. Donc nous sommes dans Njila Congo parce que, sur le plan politique, le BDM a été dévié de sa vraie mission. On a transformé le BDM en Bundu de Manyanga et franchement, la mission qui devrait, qui était consignée à BDM n'est plus vraiment respectée. C'est pour garder notre personnalité, notre indépendance, notre identité que nous avons formé notre parti politique Njila Congo. Ça, c'est le plan physique, sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, nous sommes et nous demeurons PDK. Sur le plan politique, nous avons formé Njila Congo, qui est rien d'autre que... Nous allons donner la vraie explication de Njila Congo prochainement. Voilà. Matondo Mbuta, en bref, il y a plus de valeurs dans BDM et maintenant vous ne vous sentez pas vraiment bien dans BDM parce qu'il n'y a plus de valeurs. C'est pour cela que vous avez quitté parce qu'un BDM doit avoir des valeurs morales et culturelles et maintenant on ne se retrouve plus dans BDM. C'est pour ça que vous avez quitté BDM, n'est-ce pas, Mbuta Ngoma Mpezo? Oui, nous avons quitté BDM, mais nous sommes toujours dans BDK. Et sur le plan politique, nous sommes dans Njila Congo, notre parti politique. Quelle réponse donner maintenant, je pense que vous avez déjà anticipé, donner maintenant à des gens, à des Makessa, qui pensent que quand on est dans BDK, on est obligé d'être dans BDM. Qu'en pensez-vous et quelle réponse donner, vous qui êtes vraiment la pièce motrice des BDK. Matondo Mbuta. Oui, c'était ça dès le départ. Dès le départ, Longhi avait bien dit, quand on est membre de BDK, l'office doit être membre de BDM. Parce que je dis bien qu'au départ, BDM était la branche politique de BDK. C'était. Et dans BDM, c'était science, conscience, volonté politique. Je dis bien science, conscience, volonté politique. Et actuellement, il n'y a plus la conscience dans BDM, il n'y a plus la volonté politique dans BDM. BDM est devenu un mangeoire. Je dis bien un mangeoire. En Kikongo, on dit Njobadila. Njobadila. Et c'est même BDM que nous avons tous consenti les efforts est devenu Bundu Damanyanga. Voyez seulement la composition des BDM, vous allez vous y rendre compte que ce n'est plus un mouvement culturel de Benakongo, c'est devenu un mouvement de Manyanga. Quand vous voyez l'Inchita Sonizeno, Manyanga, vous voyez Wampuna, Manyanga, vous voyez Kibangu, Manyanga, vous voyez Chakameso, Manyanga, vous voyez Mabaku, Manyanga. Vous voyez Mambi Manyanga. Et tous ceux qui dirigent les BDM, vous voyez Bafodinchoni Manyanga. Alors, allez nous dire où est notre part là-bas. Où est notre part? Donc, nous n'avons plus de compte à rendre dans BDM. C'est pourquoi nous les laissons dans leur mouvement de BDM qui est Bundu de Manyanga. Et nous sommes restés dans Njila Congo qui continue la mission qui était consigné d'Abedem dans le temps. Ingeta. Voilà.
Et là, pour dire que celui qui n'est pas du parti politique BEDEM, mais peut bien être en leuze dans les BDK. Il n'est pas exclu à quelqu'un d'être dans un autre parti politique et d'aller prier dans BDK. Ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Et pour cela même qu'on voit les autres personnes qui ne sont pas, qui sont des leaders, qui sont d'autres MLC, mais qui viennent prier à Bounoudiakou. N'est-ce pas, Moutangoma? Pardon, je n'ai pas bien saisi la question. Ce n'est Pouvez-vous la pas, reprendre? cela ne veut pas dire que celui qui n'est pas des BDM ne peut pas aller prier ou aller prendre des enseignements de Bukongo, dans les Mazikwa, de Bounoudiakou. Il n'est pas exclu. Oui, je veux vous comprendre. Non, non, non. Ce n'est pas obligatoirement que si vous n'êtes pas de BDM, vous n'avez pas droit à BDK. Non, non, non. BDK, je le répète, c'est un patrimoine culturel à tous les Nakongo. Vous pouvez être de BDM, de BDK, mais vous n'êtes pas membre de BDM. Non. Non. Vous pouvez être de l'UDPS, de PPRD, je ne sais pas, de n'importe quel parti politique, mais vous avez votre religion, les BDM, là, vous priez. Le BDK, Ingeta. pardon, vous avez le BDK. Ingeta. Donc, ce n'est pas une obligation, il faut nécessairement être des BDM pour être membre des BDK. Non, le BDK, c'est pour tous les Bénakongo, y compris la race noire mondiale. Ingeta. Donc, ça ne concerne pas un problème de BDM qui est devenu Bundjimanyanga, non. Voilà, je voulais cette précision parce qu'il y en a de malbouches qu'on écoute de gauche et à droite qui disent que les gens de Nzila Congo ne doivent pas aller dans les BDK, dans les Mazikwa. C'est du n'importe quoi parce que moi je lis les Mitsiku. Je lis les Mitsiku, il n'est pas écrit dessus que automatiquement quelqu'un qui va dans le BDK ne doit pas être ailleurs pour satisfaire ses besoins politiques. Non, non, ce n'est pas dans les Mitsiku. Matondo De Sita qui n'est pas de BDK, il est voilà. dans BDR. Que dire de Sita? Que dire de Kibangu qui n'est pas de Ningeta. BDK, qui est de BDR? Et que ils sont nombreux là-bas maintenant qui viennent là-bas dans BDR, qui ne sont pas de BDK. Que dire de tous ces gens? Nous, nous Ingeta sommes des BDK, nous ne sommes pas des BDR. Mbuta. Voilà. Ingeta. Sikoyo tozo kotana, ma question na biso na mutuna na biso. Mbuta, quelle est la santé de Nzila Congo? Quelle est la santé de Nzila Congo, notre parti politique Nzila Congo, dont vous êtes le premier secrétaire adjoint? Oui, Nzila Congo, en abrégé Njiko, est en bonne santé. Njiko est en bonne santé. C'est un parti socialiste panafricain. Notre devise dans Nzila Congo, science, conscience, libre expression. Science, conscience, Conscience, libre libre expression. expression. Tu m'as suivi, Mbouta? Ingeta Je disais que Njila Congo est en forme, est en bonne santé. Nous avons notre récépissé, comme les lois du pays le demandent. Nous avons notre récépissé. Et quand vous avez le récépissé, vous avez l'autorisation de travailler pendant que vous attendez votre enregistrement, votre arrêté. Notre dossier est bel et bien sur la table du ministre de l'Intérieur. Et nous n'allons pas forcer la main du ministre de l'Intérieur. Nous attendons l'enregistrement de notre parti, Njila Congo. Nous avons notre siège, siège national de Njila Congo. Ceux qui connaissent Kinshasa, le siège est sur l'avenue de l'enseignement numéro 195, dans la commune de Ingeta. Kassavubu, dans la même enceinte où se trouve les MLC de Jean-Pierre Bemba et les MLP de Franck Diongo. Nous sommes dans le même enceinte. Là, c'est un grand bâtiment. Il a plusieurs partis politiques là-bas. C'est Avenue de l'Enseignement, numéro 195. C'est là où se trouve le siège de Njiko. Puisque nous avons notre récépissé, nous sommes en droit de fonctionner. Je donne l'exemple même de BEDEM. Quand BEDEM était fondé en 2007, BEDEM était fondé en 2007, ça fonctionnait. BEDEM a eu son enregistrement en 2015, huit ans après, en 2015. Donc, pendant ce temps,
Les BD nous fonctionnaient, on faisait des matinées politiques, on faisait des tournées d'implantation du parti par-ci par-là. Donc, nous aussi dans Duco, nous existons depuis 2019. Depuis 2019 que nous existons, nous avons notre récépissé, nous avons notre siège, c'est que nous attendons l'enregistrement. Nous avons déjà tout versé, les dossiers et tout ce qu'on a demandé. Et nous attendons que le ministre puisse signer notre arrêté. Et pour le moment, puisque nous avons noté RCPC, nous fonctionnons normalement. Voilà. Matondo Mbuta, l'idéologie politique de Nzila Congo, s'il vous plaît. Quelle est l'idéologie? Oui, notre idéologie, c'est le sociolibéralisme. Sociolibéralisme. Le sociolibéralisme qui est puisé dans la tradition africaine. Le sociolibéralisme puisé dans notre tradition africaine. Et cela est caractérisé par l'esprit du partage équitable et équilibré pour le développement de bien-être individuel et collectif. Le sociolibéralisme, puisé dans la tradition africaine, caractérisé par l'esprit du partage équilibré et équitable, et nous visons le bien-être individuel et collectif. Voilà en bref l'idéologie que nous visons dans Jiko. Matondo, Matondo, Mbuta. Pour ceux qui se disent que Nzila Congo, c'est un Kikongo, on a toujours de mauvaises langues, les gens qui ne se renseignent pas, qui ont toujours des mauvaises pensées. Que pensez-vous aux des gens qui disent que comme c'est Nzila Congo, c'est un parti politique réservé uniquement au Bakongo? Quelle réponse à donner ou quels gens vous invitez à venir vous joindre dans, comme dans notre Congo, la République, la RDC est si vaste que nous avons beaucoup de régions, beaucoup de tribus. Quelle réponse à donner où, à ces gens-là? Merci beaucoup, Mbuta. Merci beaucoup, Mbuta, pour la question. J'ai la Congo, contrairement aux gens qui disent que c'est un mouvement uniquement pour le Bakongo, c'est faux et archi-faux. J'ai la Congo, quoi que c'est anti-Congo, mais c'est un parti national. C'est national, ça concerne toutes les tribus de la RDC. C'est un parti national. Donc, nous pouvons traduire Nzila Congo dans les quatre langues nationales. Nzila Congo, en Lingala, Nzela ya Njambe. En Chiluba, je ne connais pas. Les Chiluba, en Swahili, je ne connais pas. Mais nous pouvons traduire ces noms en quatre langues nationales. Et d'ailleurs, pour dire que Nzila Congo n'est pas seulement pour le Bakongo, le secrétaire général de Nzila Congo, c'est Maître Katenda. Maître Katenda, c'est un Kassaïen. C'est le secrétaire général de Nzila Congo. Nous avons les chargés des relations extérieures. Monsieur Omba. Monsieur Omba, c'est un tété là. Monsieur Omba, c'est un tété là, chargé des relations extérieures. Nous avons beaucoup, beaucoup de membres qui sont dans le comité exécutif national qui ne sont pas de Bakongo. Ingeta. Donc, vraiment, c'est un faux fuyant. Ceux qui disent que Nzila Congo, c'est pour les Bakongo, non, est faux, archi faux. Le secrétaire général, c'est Maître Katenda, c'est un Kassaïen de l'Omami. Notre chargé des relations extérieures, M. Omba, c'est un Moutetela. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres postes qui sont occupés par nos frères qui ne sont pas de Bakongo. Matondo, Matondo Mbuta. Et pour les Makessa, qui ont une déception dans les BDM, quel appel faites à eux? Et pour ceux qui pensent qu'il doit avoir les congrès dans BDM, qu'est-ce que vous avez à leur dire, Mbuta Ngoma Peso? Je dirais d'abord pour les NGICO, la porte est grandement ouverte à tout le monde. La porte est grandement ouverte à tout le monde. Toute personne qui soit Mukongo, Mulouba, Mouswahili, Mungala, qui désire être membre de NGICO, la porte est grandement ouverte. Il n'a qu'à venir, il sera bien reçu.
quand nos frères qui sont dessus de l'autre côté et qui réclament le Congrès, première chose, je vous dirais, Mbuta, le Congrès ou le Kinjonji ou le Dikala ou le Forum de vérité et réconciliation est une très bonne chose. Je dis bien, c'est une très bonne chose parce qu'il va falloir qu'il y ait un bantou, mais ça, qui nous compte encore pour résoudre tous les différents problèmes qu'on a dans nos sociétés. Il faut le Congrès, il faut le Kinjonji. C'est une très bonne chose. Et moi qui vous parle, je suis parmi les premières personnes à demander ces forums de vérité et réconciliation. J'étais parmi les premiers. Parce que dans le temps, je me suis dit, c'est la voie qui allait nous amener à une réconciliation dans BDK, comme dans BDM. C'était la voie. Mais pour le moment, à nos amis qui continuent à réclamer le Congrès, je leur dis qu'ils fuient tourner cette fois leur langue. Parce que le Congrès, je disais que c'est une bonne chose, mais lorsque la personne à qui vous voulez vous réconcilier refuse la réconciliation, mais ça ne vaut pas la peine de forcer la main. On ne force pas une réconciliation. Donc, moi, quand j'avais sollicité le Congrès chez Longhi, dès le début, Longhi était tout à fait d'accord. Il était tout à fait d'accord ce jour-là pour le Congrès. Je me rappelle, Wampuna était là. Il nous a demandé, il a demandé que non, c'est une bonne chose. Vous préparez ça avec Wampuna. C'est ce qu'il m'a dit. Vous préparez ça avec Wampuna. C'est quand il est Et sorti pendant que j'ai là en suivi. 2019, hein, c'est ça, hein, quand vous êtes parti le voir, Dès qu'il hein. est, dès qu'il donc était revenu, dès qu'il était revenu, dès son retour. Quand il a commencé à consulter les gens, dès son retour, suis allé le voir, premier jour, suis allé le voir, c'était sur sa demande, il m'a fait appel. Deuxième jour, c'est moi qui suis allé le voir, et je lui ai dit qu'en vu la crise qui règne au sein du mouvement, serait souhaitable que vous appeliez tous les cadres, que ce soit les cadres qui sont en RDC, que ce soit les cadres qui sont dans la diaspora, en Angola. Il fallait appeler tous les cadres, qu'on se mette autour d'une table, qu'on se parle et puis qu'on avance. Et au départ, Longhi était tout à fait d'accord. Il me disait que non, vous préparez ça avec Wampuna qui était à côté. Et j'ai senti que Wampuna n'en voulait pas. Il ne voulait pas de congrès. Quelques jours après seulement, quand j'ai sollicité le congrès chez Longhi, que Longhi d'avance avait accordé, quelques jours après, suivait un kifitika d'où on nous traite de Kabudi Nkako. J'étais surpris, très 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 surpris de voir que nous voulons monter une chose pour le bien de la communauté et quelques jours après, le kifitika suit. Et j'ai vite compris que Longhi était pris en otage. Parce Kimfitika, c'est qu'on ne le peut pas donner bulletin. une chose. Allons? Kimfitika, parce que y a beaucoup de gens qui vous suivent qui ne comprennent pas le Kikongo. Kimfitika, c'est le bulletin que Longhi publie chaque fois. C'est ça, hein, les Congolais, toi. Oui, c'est un des pliants, Un des c'est un des pliants. pliants qui, oui, à travers lesquels il donne les communiqués. Ingeta. Alors, je répète que quand j'avais sollicité ce congrès, Longhi était tout à fait d'accord et il me demanda de travailler avec Wampuna pour ce congrès. Mais j'ai senti que Wampuna n'en voulait pas. C'est quelques jours après que Longhi sortait un des pliants dans lesquels il nous traitait de Kabudi Nkako. Et j'ai compris directement que Longhi était pris en otage parce que il ne peut pas, tel que je le connais, un grand sage, il ne peut pas aimer une chose et son contraire Et à la ça, fois. à la fois. Une chose et son contraire à la fois. Donc c'est par là que je me suis dit, ce sont nos amis qui sont là-bas, qui ne veulent pas du congrès parce qu'ils se reprochent de quelque chose. Ils se reprochent de quelque chose. Qu'aller au congrès, ils vont tomber et toutes les vérités seront mises à nu. C'est pourquoi ces gens qui sont là-bas, jamais, jamais,
jamais ils accepteraient le congrès. Ils n'accepteront pas ça. Et je demande à nos amis qui tiennent mon Dukus au congrès de changer d'autres stratégies, de changer d'autres propositions. Parce que ce n'est pas normal, une femme qui s'est séparée avec son mari, et la femme, vous insistez de se réconcilier avec ton mari, pendant que ton mari n'en veut pas de toi, ton mari a déjà le regard ailleurs, et vous, vous continuez à insister à la réconciliation, ça n'a vraiment pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et nos amis qui réclament le congrès, ils le savent très bien que ces gens n'accepteront jamais, jamais, jamais le congrès. Parce qu'ils se reprochent de quelque chose, parce qu'ils savent que c'est un bien mal acquis qu'ils peuvent perdre quand ils iront au congrès. Ils ne peuvent pas accepter ça. Alors, comment vous allez continuer à réclamer le congrès à des gens qui ne veulent pas se réconcilier avec vous? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je crois que à nos amis qui insistent sur le congrès, malgré leur bonne volonté, de sauver les BDK, comme ils le disent, le BDM. BDK, malgré... Non, j'ai parlé des BDK. La BDK. BDM, là, c'est le BDK qui est vraiment dans le gouffre. Le congrès, ce n'est pas pour les BDR, c'est pour les BDK. Ingeta. Le congrès, camarades, ce n'est pas pour les BDM. Les BDM n'existent plus. Ça, c'est Bundu de Manyanga. Laissez les Bundu de Manyanga évoluer là-bas. Le congrès qu'on allait solliciter, c'est pour sauver les BDK qui est dans le gouffre. Et dans notre première partie, j'ai dit qu'entre 2017, à nos jours, BDK est devenu l'ombre de lui-même. C'est le déclin. Alors, pour sauver les BDK, il fallait congrès. Mais ces gens n'en veulent plus, ils ne veulent pas de ça, et je crois qu'il fallait trouver la solution ailleurs. Voilà. Matondo, Matondo, Mbuta. Et cette vérité-là, nous en savons un jour, nous prendrons un jour aussi pour parler de cette vérité, parce que cacher des choses, ça ne sert plus à rien. Il faut dire les choses, il faut que les Makessa, les Kangwa Congo, Bayeba, ba vérité, le fait Kedika qui ti kwekena. Cette chose-là qui se cache un jour, bibon, écoute, Toboka, Tokolobela, ba vérité, ana. Matondo Mutamutu, Sikoyo, maintenant nous allons attaquer notre question. Quelle est la situation actuelle de Makessa Andolo et à la prison de Makala? Avez-vous leur nom? Et si c'est le cas, citez-les-nous, s'il vous plaît, Mbutango Mapezo. Ok, Matondo, Matondo, pour cette question, la situation de nos frères et sœurs qui sont en prison de Ndolo et de Makala, et la situation est dramatique. Dramatique parce que les conditions dans lesquelles ils sont encarcelés là-bas, et c'est vraiment inhumain. Inhumain de telle manière que vous avez appris, n'a pas longtemps, il y a un qui était mort là-bas, à la prison de Ndolo, et il y a d'autres qui sont sérieusement malades. C'est pour dire que la situation est dramatique. Donc, je disais, à la prison de Ndolo, il y a trois catégories de Makessa, trois groupes de Makessa qui sont là-bas. Le premier groupe, le 22 Makessa arrêté à Kin, qui était resté là-bas. Ils étaient très nombreux, mais 22 qui sont restés de Kin. Ça, c'est le premier groupe qui était arrêté lors des événements du 7 juillet. 7 août. 7 août 2017. 2017. 7 août, oui. 7 août 2017, oui. Ils étaient très nombreux. Nous connaissons tous leurs noms. 22 sont restés là-bas. Ceux qui étaient arrêtés à Kin. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, les Makessa qui sont... qui étaient arrêtés à Matadi, qu'on a transféré à Kin Andolo, ils sont nombre de 14. Ils étaient très nombreux, nombreux aussi étaient morts en prison de Matadi, nombreux étaient morts en prison de Matadi. 14 qu'on a cheminés à Kin, qui sont encore là-bas. Ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, il y a les Makessa qui étaient arrêtés lors de le 24 avril 2020,
qu'on avait envoyé à la prison des cinquantenaires de Cinquantenaire, Bandundu. Wandundu. Ils étaient au nombre de 47. Un est venu mourir ici à la prison de Ndolo. Ils sont restés 46. Donc, un est mort à la prison de Ndolo. Ils étaient 47, ils sont restés 46. Donc, dans la prison de Ndolo, premier groupe, 22 Makessa de Kine, arrêté lors de la marche du 7 août 2017. Deuxième groupe, 14 Makessa, venu de Matadi, qui est aussi arrêté lors de cette marche-là, le 7 août 2017. Et le troisième groupe, les 46 Makessa qui sont restés, 46 qui sont restés, moins l'autre qui est mort, qui sont venus de Bandundu, à la prison de Cinquantenaire, qui sont arrêtés le 24 avril 2020. Au total, Ndolo, il y a 82 Makessa qui croupissent là-bas en prison. 82 Makessa. Donc, parmi les 82, nous avons 6 Bayaya, 6 Bayaya, et 76 Bambuta. Les 6 Bayaya qui sont là-bas, 4 sont venus de Matadi et 2 sont de Kinshasa. Parmi les 82 Makessa qui croupissent en prison de Ndolo, il y a 6 Bayaya, dont 4 venus de Matadi et 2 venus de. Et 2 sont de Kin. Donc, il y a. Les 46 qui sont venus de Bandundu, il n'y a pas de Bayaya là-bas. Les 46 qui sont de Bambuta, il n'y a pas de Bayaya. Ingeta. Donc voilà la situation des Makessa qui sont en prison de Ndolo. Donc, il y a 3 Makessa qui sont en prison de Makala, 3, dont un est sérieusement malade. Donc voilà la situation générale des Makessa en prison de Ndolo et en prison de Makala. 82 à Ndolo, 3 à Makala. Voilà la situation. Matondo Mbuta, donc 82. Les 6 dont Mbuta dit Bayaya, c'est les femmes et le reste, c'est des hommes. Dans les 6 femmes, il y en a 4 de Matadi et 2 de Kinshasa. Matondo Mbuta, maintenant Mbuta, que le Bundu du Congo, quelle solution proposez-vous pour sortir BDK de ce gouffre, dans ce gouffre? Que dites-vous, Mbuta? Quelle solution proposez-vous pour sortir BDK dans ce gouffre? Matono Mbuta, Maloba Mbokaye. Oui, Mbuta, je disais dans la première partie de 2017, à ce jour, BDK est devenu.